Libération de l'ex-président Alpha Condé. Dans un communiqué lu vendredi 22 avril 2022 à la télévision nationale, la junte militaire a annoncé que Alpha Condé est désormais libre. Une liberté qui n'est pas encore totale, il peut recevoir qui il veut, mais dans un cadre restreint jusqu'à nouvel ordre. Du point de vue judiciaire, ce qu'il faudrait mentionner, c'est une fin de séquestration ou le début d'une fin de séquestration pour l'ancien chef de l'État, le professeur Alpha Condé, parce qu'il n'a jamais été inculpé, il n'a jamais été poursuivi et il n'a jamais été déclaré coupable pour un quelconque fait ou un délit lié à l'exercice de la fonction, ni pour le crime économique, ni pour le crime de sang. Donc l'ancien chef de l'État était juste séquestré par la junte au pouvoir. À travers ce communiqué, le président de la transition rassure le peuple de Guinée et la communauté internationale que la dignité et l'intégrité du professeur Alpha Condé seront toujours préservées conformément à son rang, à son statut et aux vertus de la transition africaine. Je pense qu'il faudrait saluer le geste, mais le geste n'est pas suffisant pour être à l'abri des sanctions de la CEDEAO, parce que les revendications de la classe politique dans son ensemble portent sur des questions essentiellement techniques et politiques liées au cadre des élections. Mais malheureusement, le CNRD ne veut satisfaire aucune réclamation, aucune exigence, aucune demande de la classe politique. Président depuis près de 12 ans, Alpha Condé a été renversé le 5 septembre 2021 par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est fait investir depuis lors président de la République de Guinée. Rappelons que la décision du CRND est prise quelques jours avant l'ultimatum de la CEDEAO. La situation Mali...